Les écouteurs intra-auriculaires Shure offrent un design confortable pour vos oreilles. En plaçant le câble de liaison au-dessus du pavillon de l'oreille, vous vous assurez confort et sécurité. Voici comment les utiliser. Tout d'abord, identifiez le côté gauche et droit de vos écouteurs. Vous pouvez aussi vous repérer des points de couleur bleu et rouge placés sur la face interne. Vous avez le rouge pour le côté droit et le bleu pour le côté gauche. Tous les écouteurs Shure de la série SE sont conçus pour être portés en plaçant le câble au-dessus du pavillon de l'oreille. Seul le SE 112 peut aussi se placer avec le câble vers le bas. Pour correctement placer vos écouteurs, pliez simplement le câble. Si vous utilisez des embouts en mousse, compressez-les de la même manière que vous le feriez avec des protecteurs auditifs. Placez le câble au-dessus du pavillon de l'oreille et enfoncez doucement l'embout dans le conduit auditif. Vous pouvez également introduire l'écouteur avec un angle prononcé vers l'avant, puis en effectuant une petite rotation vers l'arrière pour placer correctement le câble. Ainsi utilisés, vos écouteurs ne doivent pas dépasser en épaisseur de votre oreille, et le logo Shure doit pouvoir se lire à l'endroit. Vous devez ressentir la même sensation d'isolation phonique qu'avec des protecteurs auditifs. Enfin, le câble peut descendre devant ou derrière votre tête. Pour encore plus de sûreté, notamment pour les musiciens se produisant en live, vous pouvez sécuriser le câble à l'arrière de votre tête en resserrant la paire de fils. Une fois bien en place, assurez-vous des heures d'écoute de manière confortable et isolée des bruits ambiants. Pour plus d'informations, allez sur le site shure.fr.